Et pour terminer, la Saint-Valentin, faut pas oublier des gens, et à la radio aussi, des femmes que j'ai beaucoup aimées par leurs grandes choses de la région, du Châteauguay, de ma région. Et c'est une dame, elle s'appelle Nanette Walkman. Et elle reste à Homestown, dans le comté de Châteauguay, dans ma région. Et j'y souhaite un très bon Saint-Valentin. Et c'est une très bonne femme qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de choses qu'elle a fait avec les animaux. Elle a gardé des animaux errants et elle a fait beaucoup de choses dans sa vie. Et je souhaite un très bon Valentin aussi à cette dame en tant qu'animateur de radio. Et je l'avais écrit souvent, on se téléphonait souvent. On était des personnes affiliées, comme on dit dans l'époque des années 80-90. On s'est délaissé par la suite parce que chacun prend son chemin, comme qu'on dit dans la vie, et on ne sait plus où ce qu'on est. Et je me souhaitais une bonne Saint-Valentin. Oups, j'ai pogné mon micro et je ne sais pas si j'ai j'ai tapé sur mon micro en même temps que je faisais d'autres choses. Et en tout cas, je souhaite une bonne Saint-Valentin et je vous laisse avec une excellente chanson de Nanette Walkman que tout le monde connaît. Je pense qu'elle a passé sur la planète et c'est une personne qui reste pas tellement loin de chez moi. Et une femme super gentille, super cool. Merci Nanette, si tu m'entends. Et bonne Saint-Valentin à toi aussi. Bye-bye. J'ai besoin aussi de passer le temps.